Ah, vous en pensez quoi du facing? Montre la caméra. C'est de la maltraitance là. Non, comment ça? Aïe aïe aïe. Et je profite de cette vidéo de zinzin pour vous dire que seulement pendant 24 heures, vous avez moins 36% de réduction sur toute la boutique de MyProtein. Si vous avez envie de devenir des bœufs, me faire plaisir, c'est le sponsor de l'année, donc n'hésitez surtout pas, ça dure qu'une seule journée. Bon, et qui on a enfin reçu? T'as acheté à Carrefour, c'est ça? Oui. Oui. Allez, on va découvrir. Ah ouais, cousin, ils ont pas croivé en moi. Moi, j'ai croivé en moi. Regardez la famille, tout ce qu'on a. Ça fait... Et dans cette vidéo, je te fais gagner ce gros lot de boosters. Pour le remporter, c'est très simple. T'as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like, un petit commentaire. Bravo, dernier gagnant. Ça fait entrepreneur qui a réussi ou pas? Est-ce que ça fait? Bon. Non? Bon. Bon, les gars. Eh, je suis trop excité. On a enfin reçu Zenith Suprême. Eh, j'avoue, j'étais dégoûté. Les livraisons, c'était une catastrophe. On n'a pas pu faire de précommande parce que les livraisons, c'était une catastrophe. Et bon, au moins, enfin, on a eu tout ça. Bon, je vous déballe tout ça. C'est disponible sur la boutique. Et on va découvrir Zenith Superbe. On va dire, c'est quoi l'item le plus rentable? Qu'est-ce qu'il faut ouvrir? Qu'est-ce qu'il faut pas ouvrir? On va s'ouvrir une ETB. Ça va être la folie. Il y a les ETB buggés. C'est la folie, c'est la dinguerie. Alors, on commence avec ça. Comme d'hab, les petits cartons. Est-ce que je fais le flexeur avant? Oui, bah oui. Bah oui. Ça, mais je l'ai enfin. Hein, je l'ai enfin. Hein. Regardez, les gars, ces petits bijoux. Eh, je suis trop content. C'est mon gars Bobis qui me l'a vendu, les gars. J'ai fait une vidéo collection avec lui il y a longtemps. Il a fait grader son Zeraora PSA 10 et on est en pop 2. Du coup, voilà, je suis heureux propriétaire grâce à Bobis. Ah, mais tu sais, c'est ça aussi, hein. On ne devient pas entrepreneur comme ça. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de... Vas-y. N'oubliez pas que je suis un clochard. Je crois que j'avais pas dû montrer ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est les erreurs de tournage. Parfois, j'ai envie de vous cacher des choses. Je sais qu'il y en a un qui va crier quand il va voir ce que j'ai montré en vidéo. On vous les a déjà montrés, la dernière vidéo. On les a mis en ligne en 20 minutes. On en avait plus. C'est une dinguerie, les gars. C'est un coffret vintage ultra compliqué à avoir. On a réussi à en ravoir encore un petit stock. On met un petit stock en boutique. Et il se peut qu'il y ait une petite surprise avec cet item-là, parce qu'on sait à quel point vous l'aimez bien. Mais en tout cas, voilà, item de dingue à ne pas ouvrir, surtout. Hein. Gardez-le scellé. C'est un item qui est quand même un petit peu vintage. Et pour ceux qui n'ont jamais pu avoir d'item vintage, je valide. Bon, je pense que la chose qui leur intéresse le plus, c'est quoi? Zenith Suprême. Mais avant Zenith Suprême, on a bien sûr aussi ça qui est disponible. Non, c'est bon, je sais que vous en avez marre. Restock aussi des art sets. Les art sets, les gars, on les prend tout le temps de demi-display. Donc pourquoi? Parce que ça coûte moins cher et qu'il y a des quotas. On continue. Je crois que là, j'espère qu'on va avoir le premier produit Zenith Suprême, parce que là, c'est quand ça me saoule. Ah! Pop si manqué, pop si manqué. Regardez, les gars. Eh, hey, mais attends, ça se vend CV, ça? Pourquoi ils ont pas mis de blister? Alors, les gars, ça, c'est de la frappe atomique, non? Il est trop beau, l'item. Vous avez vu comment il est beau? Donc ça, c'est les box Zenith Suprême. À Carrefour, ils les reçoivent comme ça. Et du coup, en fait, c'est une petite display avec tous les tripacks. Et regardez comment ils sont beaux, les tripacks. Vraiment magnifiques, les tripacks. Hein. Je kiffe. Je les vendrai 1 € moins cher que Carrefour parce que je suis concurrentiel. Eh ouais, les gars. Donc, à garder scellé. Et c'est le plus beau tripack qu'ils ont jamais sorti. On fait encore un gros plan. Ça fait plaisir. Et si vous voulez la display, je la vends pas. Du coup, bah, on en a plein des tripacks. Eh, d'où mon cutter? Allez, on continue la famille. Ça, c'est le meilleur item de Pokémon. L'item le plus rentable à ouvrir. Et l'item même à garder scellé, c'est une dinguerie. C'est sûrement le meilleur item pour moi de cette série. Franchement, c'est la plus belle mini-chin qu'on a eu, je trouve, de Pokémon. Déjà, pourquoi? Parce qu'il y a Dracaufeu. Donc, tous les fans de Dracaufeu vont kiffer, alors qu'on a aucune grosse carte de Dracaufeu dans la série. Et là, on a tous les trucs là, tous les dresseurs. L'item qui est juste magnifique. Et les mini-chins, c'est l'item le plus rentable parce que bah, c'est là où vous avez touché quasi moins cher le booster, comme les ETB. ETB et ça, c'est le truc qu'il faut ouvrir. Mais je pense que si vous arrivez à dénicher une petite display scellée, bah go. Hein, franchement, go. Mais voilà. On continue. Et par boîte, en fait, vous avez 4 mini-chins. Ouais. Donc là, ça peut faire flexeur. T'as le plan? C'est bon. Allez, on continue. Alors, les gars, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est le truc, en vrai, qui va se vendre le mieux. Un peu sous-côté, pour vous dire la vérité. Pourquoi je trouve ça sous-côté? Parce que ces coffrets-là, les fournisseurs, ils ont pas trop abusé, je trouve, sur les prix. Même Carrefour et tout, ils les vendent pas ultra cher. À Electrode, des fois, tu sais, ils montaient de fou sur les prix, les Carrefour et tout. Bon, vous les connaissez, dispo sur la boutique. On va les mettre 25,90, 26,90, les gars, sur les coffrets. Donc, en vrai, on permet d'ouvrir. Et bah, je sais qu'il y en a qui les vident sur Carrefour. Pour les plus petits budgets, c'est pas mal. Et c'est mieux d'ouvrir ça qu'un tripack. Ouais, si t'as la chance d'ouvrir ça ou un tripack, choisis ça et tu gardes le tripack en scellé. Parce que le tripack, c'est un scellage qu'on n'a jamais eu. Je pense que ça peut être pas mal à garder les petits trucs. Donc, bon, ça, c'est un petit carton. Ça fait plaisir et ça va rejoindre nos coffrets. Viens, faut faire la pub des coffrets. Donc voilà, vous voyez qu'il nous reste beaucoup de coffrets, notamment celui-là, qui est génial. Waouh, ça c'est un item. Faut y aller, faut acheter. Vous voulez pas les acheter, les gars? Pour de vrai. Genre, s'il vous plaît. C'est... Toutes les vidéos, on demande la même chose. On fait des centaines de milliers de vues sur cette chaîne YouTube et j'arrive pas à les vendre. C'est quand même une dinguerie. Pas grave, ça fait plaisir, hein. On est heureux.
c'est toujours la rigolade. Carton ici, deux Zénith suprêmes, série de dingue, série exceptionnelle. Voilà, j'ai envie de pleurer, c'est magnifique. Le Graal, les ETB buggés, voilà. Allez, on va voir ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ces ETB? Je sais que vous êtes nombreux à me poser la question. En fait les gars, je sais pas ce qu'ils ont foutu Poké Company. Moi je crois au complot. Il y en a beaucoup qui m'ont dit Kibiki, moi je crois que c'est un complot, moi je crois que c'est un complot aussi. Un mois que la série elle est retardée, bizarrement, on a des ETB buggés. Ils ont pas fait exprès, ouais. Moi je vous dis, moi je suis un fan du complotisme. Et je suis d'accord, moi. Moi je pense pas que c'est vrai. Du coup, regardez comment c'est beau. Un case d'ETB. Ça fait vraiment grossiste. On en a plusieurs, j'ai pas tout vous ouvrir parce que j'ai la flemme. Là tu fais une photo de profil. Faites des screens. C'est bon? Ok. Vas-y viens. Le premier bug, c'est le bug de la richesse. En gros, dans tous tes boosters, t'as une carte gold. Ça, on espère. Donc quand t'achètes chez moi, j'espère que t'auras ce bug-là. Deuxième bug, un peu moins bien. T'auras que des GG. Vous savez, c'est les trainers, là, les TG. Du coup, t'auras 10 GG. En vrai, c'est nul. Limite, avoir une ETB sans bug. Donc voilà, la cote de ces ETB, elle va faire que de monter. En ce moment, toutes les boutiques se font vider. Au moment où je vais faire cette vidéo, j'aurai déjà mis en ligne les stocks. Donc j'espère que vous aurez la chance de pouvoir acheter chez moi. Parce que vraiment, je pense que ça partira à la vitesse du son. Bon! Après, on a plein d'ETB, plein de choses. Écoutez, c'est la nouvelle série. Faut qu'on se fasse plaisir. On va ouvrir quelques ETB pour voir si on a de la chance. On fait une ouverture sous haute tension. Donc, si je drop rien, je me fais rafaler. Petit coulisse. Il y a Eki Architect, son deuxième métier, qui nous permet, là, les gars, de faire la miniature. Voilà, c'est des choses qui arrivent dans le jargon de la société. T'es content en tant qu'employé chez moi? Oui. Ah. Dis-le avec un sourire. Oui. Change ta casquette. C'est quoi la meilleure société? Cariou. Merci. Ouais les gars, tu veux vivre ma vie comme moi? Devenir un véritable crack de Pokémon? Rejoins ma formation, 14,99€, je t'apprends à comment vendre tes cartes sur Vinted. Vous en pensez quoi du facing? Franchement c'est magnifique, on dirait vraiment une vraie boutique de Pokémon. T'en penses quoi? Oui. C'est vraiment la meilleure société hein. Je l'ai pas dit là, je viens de voir, mais si par exemple vous prenez deux lots, je vous envoie direct la mini tin scellée, ok? Pour ceux qui veulent la display scellée, faut juste acheter deux lots directement sur la boutique, voilà, pour ceux qui veulent. Ok les gars, regardez, là on vient de tout ranger. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu prends ça là? J'ai pas trop envie. Eh vas-y, hey, Eki, tu sais tu vas faire quoi? Choisis une ETB, on l'ouvre là tout de suite et on met tous les drops sur Cario. Tu me dégoûtes gros. En vrai c'est la dernière qui nous reste, en vrai peut-être qu'il y a quelque chose dedans. Vas-y, choisis une ETB Zénith. Au hasard. Eh, si on a rien, c'est de ta faute, tu rembourses tout, l'intégralité du drop, c'est bon? On prend les trois. Allez, on passe à l'ouverture. Non, non, une seule. On prend ça? On prend ça. Allez, c'est parti. Alors, ouverture sous haute tension, les amis. Le retour du concept que vous aimez tous sur cette chaîne YouTube. À chaque fois que je drop pas, et qu'est-ce que tu fais? Allez, j'espère que vous adorez ce concept. La dernière fois que j'ai ouvert une ETB, les gens, eux, ils ouvrent des ETB, ils ont des ETB avec un bug où ils ont que des golds. C'est une dinguerie. Bon, je l'ouvre au Critérium, les gars. C'est peut-être la magie du Critérium, j'en sais rien. Déjà, si on a une promo, je suis heureux. On en est arrivé à là. Eh, franchement, elle est trop belle. Hein. Le petit livret, c'est pour ça que c'est bien. T'as vu, pour faire le master set et tout, tu utilises ton livret, boum, 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 et tu complètes. Allez, j'espère qu'on va avoir de la frappe, les gars. C'est parti. Alors, déjà, est-ce que j'ai la promo? On l'a fait, les gars, on est enfin la promo. Elle est grave belle. Ah bah ça fait plaisir les gars, voilà ça. 10 boosters pour rentrer dans la légende, Zélite suprême. Si on a un bug, de toute façon on le verra au premier booster. Enfin je crois, ou des fois il y a 8 boosters qui sont buggés. Bref, on va voir. 10 premiers boosters Zélite suprême, ouverture sous haute tension. Comment ça ils ont vu? Ils ont vu s'il y avait un truc? Non ils ont rien vu là, on raconte. J'ai mal avant même que ça commence. Ronil, Misterbe. Oh, mais wesh, magnifique. Ça commence bien. Double hit, eh ouais mon pote. C'est toi qui te fais rafaler. Non, c'est toi. Hey, pourquoi il veut pas jouer le jeu? Attends-moi, t'as une grande bouche. Et toutes les cartes que vous voyez ici, les gars, on va les mettre sur Cario. On va commencer à mettre les cartes à l'unité. T'as pas envie? Non, sinon je tire pas. Ouais, tu me souhaites jamais du bien, toi. C'est ça ton problème, en fait. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On y va, les gars. Énergie, combat. Pokéball. Là, ça devient moins drôle tout d'un coup. Juste après, Pyronil. C'est juste après. Hey, t'es un peu près. Hein. Aïe. C'est pas fini, en plus, il reste une carte. Quoi? Ouais, c'est bon. Je mérite bien. Je vais passer le coup. Aïe. Bon. Il y en a, ils ont toujours de la chance. Il se passe des trucs de fou et tout. Avec des GG tout le temps, des bugs, tout ça. Non, moi, le seul bug que j'ai, c'est que j'ai pas de promo. Par contre, j'ai que des cartes V-Star. Ça, c'est ça, mon bug. Des cartes V-Star, ça, par contre, j'en ai. Hein. Hyper Ball, Galvaran, Stalgalma. Attends, reste une carte. Aïe. Ah, celui-là, il a fait mal. L'ouverture, elle est catastrophique. Oui. Ça me dégoûte, chef. Allez, on continue, les gars.
On l'a fait à l'américaine. Eh, ouvre un booster après. Si, ouvre un booster après. Ah, j'ai rien eu en plus, t'as moins de chance que je te rafale. Énergie. Regardez, eh, celui-là, je le sens bien. Je sens, il y a quelque chose. Je trouve que tu mets un peu près toi, le... Non. Oh. Bien. Ça fait 2 GG. Tu l'avais? J'ai continué à compléter mon Master 7. Non, à la fin. Non. Allez, t'en mets 2. Ah. Mon pote. Quack, pourquoi tu te caches? Montre à la caméra. Montre à la caméra comment tout. Montre à la caméra. C'est de la maltraitance, là. Non, comment ça? C'est... Le groupe vit bien. C'est quoi, 2, 3, 4? J'espère pour toi, tu la sors bien. 1, 2... Non mais... Ah. C'est la défense la plus... Ah mais t'as vraiment rien eu, hein? Ouais, y'a rien. Allez, à mon tour. J'ai cru que t'avais quelque chose, moi. Bon bah si vous avez réussi à avoir une TB bug, dites-le nous, hein. Si en plus vous l'achetez chez nous et que vous avez eu une TB bug, taguez Cariou sur Instagram, ça nous ferait grave plaisir. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4... Tu crois que j'ai quelque chose? Ah, attends, il reste un prix. C'est la dernière, hein. C'est la dernière, ce que t'as levé. Il est beau, Absol. C'est un hit, non? Non, c'est pas un hit. Comment ça, c'est pas un hit? C'est pas un hit, ça compte pas. Bah attends, on tourne derrière alors. Aïe, aïe. Oh, celui-là, il fait mal. Oh, celui-là, il a fait mal. Oh, le TV, elle est trop nulle. Mais au moins, on a une. Au moins, on a la promo. Aïe. Oh, celui-là, il m'a fumé. Allez, on continue. T'imagines, là, je suis en train de créer un jeu de fou. Les enfants, ils vont vouloir faire ça avec leurs parents. Se tirer dessus au nerf. On vient, genre, on vend ETB plus nerf. 1, 2, 3, 4. Après, t'en ouvres un. Hein. Encore? Ouais, je trouve que je souffre un peu trop, là, sur cette ouverture. Bah, c'est normal. Il en reste une. Non, c'est bon, c'est hit, c'est bon. Eh bah, il va pas y avoir grand chose sur la boutique. Allez, mon pote. Attends, je te compte. Sois concentré quand tu ouvres, s'il te plaît, mon pote. Ouais, qu'est-ce que t'as à dire? Je vois même pas ce que j'ouvre, là. Oh. J'ai rien fait. Je m'éloigne. Je suis loin. Très loin. C'est la prochaine? Je te dis pas. Non, reste encore. C'est la prochaine. Reste encore. Oh ouais, c'est bien. Il n'avait pas de réaction, ce mec. Oh, Draco. Mais attends, mais... Voilà. Bien. Attends, on va filmer. De Reggie Gigas. Avec un petit Draco Fauvé, ça... C'est bien. Continue à ouvrir. Non. Je trouve que t'as de la chance. Ouais, mais non. Si, alors, un petit booster. T'as sorti les meilleurs hits. En gros, sur cette série, t'auras toujours code noir. C'est ça qui est bien. Juste je teste. C'est bon, t'inquiète. Attends. Ils l'ont vu. Pour enchaîner. Oh, bien. Attends, mais toi, t'enchaînes, toi. Vas-y, bah ouvre le dernier. Hein. Cache ça derrière. Attends, je garde les autres cartes. Hein. Vas-y. Ah, bien, le petit Manafi. Vas-y, dernier booster, il est là. En vrai, ça va, hein, le TB était bien. 9 boosters. Pour l'instant, 9 boosters. Si t'arrives à encore choper un hit, ça va. Tu parles un petit peu mal, mon pote. Fais attention. Vas-y, montre à la caméra, montre. J'ai pas vu. Montre bien à la caméra. Montre bien ce qui se passe sur l'ouverture, mon pote. À la compote. C'est la prochaine? Je crois encore après, hein. Je crois que c'est la prochaine, ouais. Oh, mais attends, mais c'est une dinguerie. Genre, je vais pas te rafaler, là. Ok, c'est bon. Wesh. J'ai plus de balles. Mais vas-y, frère, même dans ça, j'ai jamais de chance. C'est bon, j'en ai marre. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hits. Plus ça, ça fait 9 hits. Bon bah les gars, tout ça c'est disponible les gars sur la boutique, n'hésitez pas à vous faire plaisir. J'espère que tu vas passer une bonne soirée avec moi, on va faire beaucoup de colis. En tout cas les amis, une boîte avec que des ultra rares, t'as juste à cliquer, juste ici. En gros j'ai ouvert et j'ai eu que des ultras, c'était un truc de fou, clique.